Bon, au début, je fais ma construction, donc je suis un peu plus, on va dire, pas concentré, mais... Ouais, je dois être précis au début. Puis après, j'ai un peu le flow qui vient, où je me lâche et je pose ce que j'ai dans la tête sur le bois, quoi. Je suis bien, je suis dans mon monde, dans ma bulle, où je me sens bien. Le ponçage, c'est une liberté, en fait. Et après, je tape dedans, mais c'est pas moi qui dessine, c'est le bois, je pense. S'il y a les nœuds, on va travailler par rapport vraiment au bois où il y a plus de foncé, plus de clair. Donc c'est le bois qui va décider comment le dessin va se mettre. Et après ça se fait tout seul. Stop. Alors, ça avance? Gentiment, ouais. C'est hyper beau. Ça avance. T'es content? Ouais. Pour le moment, ouais. C'est vraiment beau. C'est Il y a plein de gens qui s'arrêtent, c'est hyper drôle. Je fais pas trop attention à ça, quoi. Ouais, t'as les casques et tout. Dans ta ville, c'est bien, t'as raison. Ouais. D'ailleurs, je suis passée ce matin, je t'ai même pas dit salut, parce que j'ai vu que t'étais concentrée. Ok. Alors, une fois que t'as construit un peu tes yeux, ton visage, après t'as ton échelle, donc ça se construit autour, quoi. Ce qui m'a plu chez Antoine, c'est que je trouve qu'il a une capacité de réinterpréter le lieu où il réalise ses œuvres qui est assez bluffante. C'est justement ce contraste avec l'art urbain qu'on a de manière générale, avec beaucoup de couleurs, de la peinture, etc. Et lui, en fait, c'est tellement, je dirais, minimaliste dans sa technique, étant donné qu'il n'a pas de peinture, il n'a rien, il a juste sa ponceuse. Donc, en fait, il travaille la matière et il donne de la profondeur et de la couleur à... un support sans utiliser de peinture, je trouve ça assez, assez incroyable. Et puis, ça ressort aussi tout le naturel du bois. Donc ça se marie très bien dans une ville médiévale. Je pourrais pas habiter en ville, je pense. Non. J'y ai habité quelques temps, mais... Non, je pourrais pas m'inspirer, en fait. Être... Je serais différent si j'habitais en ville. J'aurais pas cette émotion, cette liberté, tout ça. C'est trop de contraintes en ville, quoi. C'est trop de monde, trop de... Ouais, t'as pas de calme, quoi. Le calme, la liberté, la beauté des montagnes autour, Tu regardes juste en face, t'as un glacier. Déjà, le glacier, c'est puissant, quoi, tu te dis. C'est la nature, quoi. C'est de la beauté, quoi. Hé, hey, Pépette. J'aime les animaux, ouais. J'adore, même. Ouais, ce contact qu'on a avec eux, quoi. Hé, hey, tu mets.
Mais le matin, elles sont là, elles te font un peu la fête, comme ouais, des animaux de compagnie, c'est ça, en fait. Peluche. Allez. Sans animaux, on t'oublie. C'est la vie, t'as les cloches qui viennent. T'as les cloches le matin, t'as deux, trois bêlements quand elles ont faim ou je sais pas ce qu'elles veulent, mais tu vas juste leur dire « Hey, celui-là, c'est bon, quoi. » Pourquoi pas continuer tous ces dessins? De te dire, ben voilà, un jour, on risque peut-être de enlever cet avion parce qu'il devient foutu. Ok. On pourrait continuer avec ce dessin-là qui se serait effacé, en faire un autre. Et puis faire du style, tu vois, vu que c'est quadrillé comme il faut, comme ça, là, se faire une espèce de petite BD, ouais, quoi, avec une suite qui finirait sur ce pont-là, tu vois. Donc ce serait vraiment de se dire, ok, avec la paroi de ta maman, bon, Marcel, on va le laisser, hein, ouais, c'est Marcel, donc, puis en plus c'est chez ta maman, donc on n'a rien le droit de dire. Et puis ce serait de faire quelque chose ben, en lien avec le petit enfant qui regarde sur cette paroi-là, donc ouais, sud foncé, et qui continue sur tout le reste ici. Donc l'idée de, tu vois, du petit garçon qui sort de la fenêtre ici, quoi. Ici, c'est comme tu avais dit, là, t'aurais pu faire... Avec le petit enfant qui est comme ça, ouais. Quelqu'un qui serait comme ça, là, pour guider. Ouais, justement, alors, tu vois, le fait qu'il guide, ouais. Tac, là, tu fais, t'arrives jusqu'ici, ouais. Fais les mains. Quoique lui, il est déjà, ouais, là. Ouais. Ça pourrait le faire complètement. Je suis monté au Diableret l'autre jour faire de la luge avec Marcel, dimanche, là. J'avais un petit peu de temps dimanche, là. Et on était mangé au Mazo chez ma copine Nathalie. Et on était à la table des profs de ski, donc c'était prof de ski à côté qui me dit, écoute... C'est ton fils, là, mais c'est celui qui a été dessiné, là, sur la paroi de la maman de l'artiste. Ah ouais? Et j'ai fait, ouais, ouais. Puis j'ai fait, ouais, ouais, c'est Marcel, c'est bien lui, quoi. Bien, bien joué, donc voilà, c'était vraiment un super compliment pour toi, ouais. Déjà, du fait que... De ce qui portrait... Ouais, ouais, ouais. Non, alors, c'est vrai que c'est pour moi, c'est grand bonheur de voir mon petit chéri, là, et grand honneur, quoi. Tu feras ton dessin, ton inspiration, si ça me plaît, ça me plaît. Par contre, c'est clair que c'est quand même moi qui vais l'avoir... Dans les yeux tous les jours. Non, c'est plutôt ma mère. Ouais, ta mère aussi, là, même. On peut lui faire une connerie, quoi. je sais pas. C'est gentil, ta maman. Mais on va trouver, t'inquiète. Oui, je ne doute pas. Et d'ailleurs, on a trouvé vite fait, le premier. C'est vrai que dans ma tête, je me disais, ben, j'espère qu'une fois, je n'aurai un. Parce que c'est tellement beau, ses regards, c'est quelque chose. Puis un jour, il me dit, ouais, on pourrait aller faire une petite photo du petit Marcel, le petit voisin, le petit enfant. Puis j'aimerais d'une certaine position. Puis après, il me dit, bah, je pense que ça pourrait bien être pour toi. Puis il s'est bronché au fin avril, début mai l'année passée. Puis en fait, je l'ai reçu bah, pour la fête des mères. Yes, ouais, ouais, ouais. Je vais me promener par preuve. Comment se fasse la veine. Tu connais de toute façon. De faire un truc un peu discret quelque part. Alors c'est vrai que sur cette face. Ouais voilà. Alors sur cette façade là, honnêtement, là ce serait là peut-être alternative où je te dirais oui. Là t'as le vol, tac, t'as la porte. Je préfère genre un vieux berger sur sa canne, tu sais, comme ça. Alors écoute, moi un vieux berger je te dirais volontiers, puis pour le vieux berger je te donne une photo du grand-père alors. Ah ouais. Et toi, à couler sur la. En plus, mon papa, tu te souviens, avec ses cheveux gris et tout ridé, il était beau, c'était un beau vieux, quoi. Donc... Mais c'est vrai que maintenant que tu me le montres sur ce façade-là, c'est clair que ça pourrait avoir du sens, quoi. C'est une maison de famille, en fait. C'était mon grand-père qui était ici. Il a décidé de partir parce que... je pense que c'était trop de boulot, déneiger l'hiver, le chauffage, tout ça, quoi. Je retape comme moi j'ai envie. Je refais mon petit monde, en fait. C'est un plaisir, en plus tu le fais toi-même, quoi. Travailler avec tes mains, c'est toi qui l'as fait, quoi.
Et il est tout en bois aussi, hein. Il y a quelque chose de très puissant là-dedans. Il y a du vécu aussi, on va dire. Ce qui m'a inspiré à travailler sur le bois, en fait, c'est quand j'ai rénové un peu ici. Et j'ai tout meulé les murs, tout remis, en fait, le bois, on va dire, clair. Et là, j'ai vu qu'on pouvait dessiner sur les murs, sur du bois. Avec une ponceuse. C'est vrai que j'essaye de faire plus un mix qui va partir maintenant. J'essaie de mettre de la couleur un peu, des teintes de bois. Je travaille au vin rouge, c'est marrant, ça. Tu passes des bonnes soirées. Non, mais ça donne un peu plus de vécu et de puissance au bois. C'est vrai que j'ai toujours en recherche d'évoluer, c'est sûr. J'ai pas envie de stagner, quoi. J'ai envie de toujours faire plus. Les yeux, c'est un message, c'est un texte, on va dire. C'est comme si c'était un texte, mais dessiné. C'est ce qui va parler, en fait. Et le regard, c'est très... Pour moi, il y a une puissance dans le regard de tout le monde. Quand on discute avec les gens, on parle avec les yeux, on parle avec les mains, et on parle avec la parole. C'est plus un vieux guide ou un vieux personnage des montagnes puis qui est concentré, qui regarde la montagne et qui l'admire, où il a les yeux, ouais, comme un guide, vraiment une puissance du respect de la nature. On ne sait pas trop, est-ce qu'il est content, est-ce qu'il est bien concentré, ou bien il est... On ne sait pas, à chacun a son interprétation. C'est vrai que les regards âgés, ça parle, c'est vrai. Ça parle plus, il y a des rides, il y a plus de texture, de volume et tout ça dans un regard. Mais un regard d'enfant, ça peut parler la même chose. Il faut juste bien trouver le regard. Attends, on va la pousser là-bas. Attends, petit Lulu, l'heure est cruciale. Oui, mais grosse tête. Je coupe. Elle est bonne, ta salade. Attends, ça va normalement, ça s'accompagne. Salut. Salut. C'était Marcel. Salut. Ok. Le partage, c'est la vie. Tes potes, c'est ça qui te fait avancer aussi. Les amis, la famille. On dirait que tu fais Marcel. Tu veux goûter le pain, Antoine? Lolo, arrête de faire ça. Et qui te donne, qui t'inspire aussi. Parce que tu partages un peu tes émotions avec la parole. T'as un retour. Et ce retour va te faire avancer dans quelle voie tu vas partir, quoi. Ça, ce partage, les amis, la famille, c'est très important. Je vais chercher le psycho, mais pas trop. Je sais pas l'âge qu'il a, hein, mais je pense qu'il a passé 100 ans, si ce n'est 200. Donc on voit toutes ces... Il y a une puissance des couleurs, ça part du bleu, du rouge, du jaune, au blanc. Il y a quelque chose à faire, franchement, c'est puissant, quoi. Je vois la beauté, en fait, de cette matière qu'est le bois, quoi. L'âge qu'il a pris, en fait, c'est comme un personnage.
c'est... Il y a les rides. Et les rides, en fait, c'est la... C'est cette texture où le bois était creusé par l'eau, par le soleil, brûlé, dérougi. Il y a cette force, en fait. Cette force du... De ce bois, quoi, de comment il a vieilli et tout ça, il y a... c'est magnifique. Des rides du bois, quoi. Du vieux bois, on peut vraiment jouer juste avec une ponceuse pour choper ces dégradés, ces tons. C'est quasiment tout en freeride, vraiment hors piste. Puis là, t'es dans la nature. Quoi. C'est beau, quoi. C'est... Tu croises les bêtes, tu fais de la pente. Puis c'est tellement bon, quoi. Prendre l'air, le silence, tout ça. Quoi. Chose puissant, quoi. C'est la vie, quoi. Et on a juste à la respecter, à l'admirer, quoi. Cette force. C'est un peu mon inspiration aussi. Celle qui te guide, qui t'inspire, quoi. Avec l'espace qu'on te donne. Puis après, il y avait aussi cette beauté de cette pointe. Et en plus, cette pointe, ça mène au bout du téléski. En hiver, c'est super intéressant parce qu'il tend la main, puis tu vois le fil qui monte avec les gens qui montent. C'est pas voulu, mais c'est assez... c'est joli. J'ai dessiné toujours par un plaisir d'avoir cette liberté de faire ce que je voulais. Je suis pas un grand fan des écoles, là. D'aller dans une école où tu dois faire ça, ça c'est bien, t'as 10, ça c'est pas bien. Pour moi, le dessin, le tout, l'art en général, c'est une interprétation qui est libre à soi, quoi. J'ai toujours gardé ce livre et je le regarde souvent. Et ça fait partie de la maison, mes dessins de Frédéric Rouge. Je ne l'ai pas regardé. Puis je sais que le livre, il l'a feuilleté très souvent. D'ailleurs, il est assez usé. Hein. Ben, je me suis amusée à refaire de ces peintures, recopiées, mais à ma façon, avec des petits points. Que des petits points. Frédéric Rouge, c'est un artiste. C'était un artiste pour moi que je dessinais depuis petit et je reproduisais ses dessins au crayon. C'est un mec de la région. Ouais, c'est l'artiste des Alpes Vaudoises, puis qui s'est jamais trop vendu. Mais il y a une putain d'émotion qui est faite dans ses dessins. Moi, je trouve ça que c'est. Pour moi, ça vaut de l'or ce qu'il fait, quoi. Salut Antoine. Salut Antoine. Salut. Ça va? Ouais. Bientôt fini? Ouais, on en a plus.
C'est vrai que la porte, elle était bon, ben voilà, en bois, toute simple. Donc c'est vrai que c'est génial. Mais nous, ça embellit un peu, et puis, enfin, ça embellit même plus qu'un peu. Tu vas nous faire quoi comme pièce? Je suis pas un pro d'échecs. Qui c'est qui gagne? Il doit y avoir la tour et puis le fou. La tour et le fou? Il me semble. À dessiner. Puis après, il y aura un pion sculpté plus le roi. D'accord. C'est le roi qui met échec. Hein, Oui. Je suis contente d'avoir accepté. Non, c'est génial. À tout à l'heure, merci beaucoup. Ciao. Quentin, ça va? Attends. On se pose derrière pour la porte? Yes, nickel. Cool. Ah, j'ai trouvé 2-3 photos là. Assez sympa. Ok, cool. Tu verras, y a plusieurs choses. Elles sont en couleur? Ouais, non, alors elles sont de 1800, donc elles sont pas tellement en couleur. Je suis désolé. J'ai trouvé le passeport de mon arrière-grand-père assez facilement. Que je trouvais sympa. Et après, je t'ai fait un agrandissement pour faciliter la chose, sinon j'ai trouvé une autre. Je trouvais le fait d'avoir l'arrière-grand-papa sur la porte, je trouve ça assez cool. La lumière est cool. Il y a vraiment un jeu de lumière sur... Elle vient d'un côté, il y a une phase d'ombre, donc on pourra jouer sur la texture, il y aura de la 3D. Trop bien. Donc ça, c'est intéressant. Puis il y a les rides. Santé. Santé. Merci. Avec plaisir. Ouais, bah cette année, c'est les 100 ans de l'achat de la maison du Clos du Bout que Albert avait acheté. Ouais. Donc ça fait vraiment un sens à 100% pour moi. Ok. Ça fait la porte. Hein. Oui. On imagine à peu près comme ça. Donc. Mais après, ce qui serait sympa, à mon avis, c'est de zoomer un poil vraiment sur les parties qui sont... Les yeux, quoi. Le regard, la bouche, où il y a vraiment ces intonations. Plus il y a plus de rides. Ça. Exactement, oui. Tu vois, là, cette partie, elle est claire, quoi. Ouais. Donc ça serait tout poncé, meulé, quoi. Mais la partie intéressante, elle est ici. Le regard. En plus, t'as les fers, là. Mm-hmm. Les fers qui sont posés ici. Donc tu vois, on gâche pas les yeux, on gâche pas le regard. C'est pas mais comme s'ils sortaient de la porte. Ça, moi, je trouve que ça serait... D'accord. Ça serait sympa. Et l'autre côté. Là, par exemple, ça, bon, ça serait pour un truc comme ça, mais... Ouais, c'est cool, non? Et il y a encore plus de force dans le visage et tout ça. Voilà la bête. Yes. Bon, ça change, tu vois. Je pensais qu'il y avait plus de ferrures, mais il y en a qu'une au milieu, là. Ouais, t'en as qu'un, ouais. Donc, ouais. Il n'y a qu'une centrale qui va nous embêter. Ouais, mais en fait, ça veut pas changer, hein. Les yeux seraient par là, quoi. Là, le deuxième, là. En gros, hein. Ouais, ouais. Tac, le nez passerait ici. Moustache là. Puis là, le bas de la porte plus gris, ça te gêne pas? Non, non. On pourra lui serrer le nez pour la porte. Ouais, ouais. Lui gratter le nez, quoi. Je vais dessiner la lumière qu'on dessine, on va dire habituellement au crayon gris comme ça, au stylo, on dessine l'ombre. Et moi, je vais chercher la lumière. Et c'est la lumière qui va créer le dessin, quoi.
un peu plus dur. Enfin, en fait, c'est peut-être la difficulté qui me donne du plaisir. C'est dur de réinventer quelque chose, quoi, d'avoir un style. J'avais envie de trouver quelque chose de unique, quoi, où j'ai créé mon truc, quoi.